continue tout de même à appuyer là où ça fait mal. On voyait très en chill, mais non, on profite de cette avance. Attention, pas être trop gourmand. Très joli opère. On continue, on lui fait peur, on veut pas le laisser revenir. On appuie, on appuie. Ça joue. JV3 pour Enki. 61% certes, mais voilà, on vient avec un simple thunder. Fatal Foudre. Santa. Tab qui lui a, je ne sais pas, mais en tout cas, Tab qui nous trouve et qui nous tout. Avec peut-être, ouais, évidemment. En fait, ouais, c'est ça que j'allais te dire, c'est le problème. Victor Naidoo, mais genre, sans équivoque, hein, vraiment 2-0 tranquille. Dans là, il n'y a aucune inquiétude, il maîtrise le match-up à la perfection. Ouais, il maîtrise très bien, il est très précis. Là, ça, c'est Kurama. Ça, c'est Kurama, ça tue pas. Ça tue. Yikes. Ah, t'as menti. Yikes, j'ai menti. Carrément, je vais me passer la langue au savon. Plus rapide que ça, j'ai plus cross slash en tête. Ouais, ça fait 24%, voilà, 21-22. Ça me... Oh là là là, il va casser la gueule. Mais arrêtez. Mais je regardais du Smash Bros. Faut qu'il aille se doucher, faut qu'il aille se rhabiller. Petit short 46, jean régulier. Évidemment qu'on va pouvoir lui asséner à ce Yoshi. Être sûr qu'il soit quand même bien, alors que Humming B, voilà, le jean régulier. Je commence à avoir un peu la dalle. Ah, sur le backer. Je t'ai fait un petit tube, j'ai oublié de le prendre, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mon pote. Très bien. Pâte au thon, haricot vert, œufs brouillés, Annette. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mon ref, c'est trop bon. Mais qu'est-ce que c'est que mon ce ref, bordel ? C'est trop bon. Pas de sauce, par contre. C'est des aliments un peu fades, donc qui vont bien ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Et qui, au final, ça se complète méga bien. Mais tout est dans le dosage. Ah ! C'est pas fini, elle a réussi à résister ! Tant bien que mal à tout ça ! Oh non ! Elle a fait l'arrivée, mais c'est pas fini ! Oh non ! Oh, ça touche pas, ça touche pas, on va avoir une dash attack, peut-être que c'est terminé là-dessus. La simple get up qui a fait toute la différence. On s'extirpe de cette mauvaise situation. Peut-on rester suffisamment longtemps? Ça a l'air de... Quoi? Cross down. Et là, malheureusement, Marf, il est dans une telle force, telle confiance. Il va reprendre le contrôle, évidemment. Attention à cette dodge, parce qu'évidemment, il va mettre le backer. Mais c'est évident, mon ref. La vidéo est donc passée. On peut vous donner l'information, messieurs, dames. Kurama. Il s'agira bel et bien de Kurama, le joueur de Karmine Corp. Let's go! Kurama est donc le joueur de la Karmine. La Karmine qui fait son entrée dans la FGC. Calamity est à 107%. Il y a juste besoin d'un jab. Merci. La télé, quel génie! Bah, trop bien. Allez, là c'est toi, là tu vas pouvoir peut-être passer. Allez, faux setup. C'est le moment de faire tous les trésors d'ingénierie. Oui, et oui, donc le team qui a été infusé dans l'esprit d'étoile là-dessus. Et la cloche. Alors, la cloche, on en fait quoi? Oh! Tu Oh non! Ça le tue pas! Oh! Et là il dit, bah si tu fais que des dashbacks, je vais juste te choper. J'avance en fait. Ouais, j'avance et je te chope. J'avance au fur et à mesure. Oh là là, ce grab il était tellement magnifique! Et derrière ça lui permet de confirmer sur 3 coups derrière. C'était absolument. Et pour l'instant, ça fait une stock entière d'avance pour notre cher français qui va en plus avoir une phase d'avantage en plus derrière! Il va trouver un downer là-dessus, c'est magnifique! Je vais dire une phrase, mais je vais le curse. T'es prêt ou pas? Oh non. Je vais non, dire mais évite peut-être. Naitouru... Attends, barrière anti-curse. Vas-y. Ok, Naitouru, il survit vraiment tout le temps sur des pourcentages incroyables. Yes, Orion, ta revanche. Tu peux aller les chercher ici et maintenant il faut y aller. Allez derrière, Black Crow, ça dégage. Par GG et Dawn. Ouais, Microsoft. Merci Microsoft. Petite boîte indé en plus. Ouais. Ils sont en train de monter, je sais pas si vous connaissez. C'est... Ouais, ils sont vraiment. Ils ont fait un petit truc qui s'appelle. Oh, ça avait du flow, ça. Ça avait un flow de Fulima. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il vient de lui rendre? Mais c'est terrifiant! A nouveau, nerf derrière, Léon qui extend la face comme il le peut! Ça, tu et vas, encore tu vois, ça tue, ça tue, ça tue! Léon 3-1 contre Riddles, il avance en se posant de braquette! Quelle perf de fou! Il a disparu, on va pouvoir la récupérer. C'est plutôt rassurant pour une potentielle recovery. On est coincé au niveau de la ça tue! T'as ça tue! Let's go! Let's go! Gluttony Top 8! Lower side! Notre français qui va partir! Non, pas dans les phases finales! Dans le playoff de ce Genesis 9! Oh là 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 là! Avec la petite célébration d'Hungrybox qui, dès les 10 premières secondes, va complètement exploser, complètement détruire, et c'est pas fini apparemment! Ça fait toute la différence. Oh, il va aller chercher le reste encore. C'est le quatrième! Oh non! Oh, le cinquième! C'est pas possible! En tout cas, c'est le quatrième reste et la cinquième stock avec un move! Avec. Et 6. Le backer qui va connecter. On essaye de se faire des passes. On essaye d'avoir la situation pour aller chercher le dodo. Et ça va en terminer l'app de ces 2v2 du Genesis 9. Plop
et Hungrybox vont s'imposer. Hungrybox, à un moment donné, il a décidé de détruire l'équipe adverse. Dance Row, Tech Chase, le fer touche pas, mais pourquoi? Il veut pas crever, il veut pas crever. Le backer qui va tuer, le backer qui va tuer, 132%, aucune erreur n'est permise pour Cody. Il faut faire une stock absolument parfaite pour rester dans ce Genesis. Et du côté de Jimook, on est un air par exemple, c'est terminé. Il est là Jimook avec la victoire sur le Genesis 9, la première victoire d'une chic en Super Major. Zelix, aïe aïe aïe, 15 secondes au compteur, c'est le moment de créer un miracle, mais le miracle il a pas l'air de vouloir venir. On y est, le compteur. Est-ce que Sonic va se faire time out? Il va se faire time out. MKLeo vient de time out un Sonic. Qu'est-ce qu'il a pas fait dans sa carrière? C'est un truc de fou. Le backer qui est là, il essaie de se faire respecter un coup de forwarder. Ça avait marché tout à l'heure, mais pas maintenant. Il le suit jusqu'au bout, jusqu'en enfer. Il le sait. Oh, le forwarder, mais décidément, il n'arrive pas d'appuyer sur forwarder. La couronne est extraordinaire. La dash attaque. Lutez qui relance la game encore un petit peu plus. C'est T-Von pour 100, la forwarder qui tourne. Ça ne tue pas, il est encore en vie. La planter bordel a été activée. La Wheeler's Field, c'est pour lui. La Wheeler's Field, c'est pour lui. Il s'est raté là-dessus. L'erreur d'exécution. Il n'y a pas la suite. Il n'arrive pas à se toucher. C'est un coup de fou. Il arrive pas à se toucher. Que j'ai jamais vu de ma vie. 131-143, n'importe quelle attaque peut tuer. On insiste avec les bots, on insiste avec les backers. C'est le neutral air qui va toucher, qui va l'envoyer dans la blast zone. Mutase gagne ce set légendaire. On va se faire un petit peu discret. Ne surtout pas laisser l'opportunité au singe de te tuer. On a une tech chase, un jab, un forward smash, c'est fini. Oui, monsieur. Glutonic, 3-0 Twink. Ah, ça c'est des problématiques parce que Sonic, il adore cette pro, ce positionnement, pardon. Oh, sur le père. Là c'est Waft, ça gagne. C'est maintenant. Oh, 72. Je connais rien. Let's go. Glutonic. Il faut savoir accepter. It really do be like that. Il arrive à trouver le forward air. C'est peut-être maintenant que ça se termine. Sonic qui est parti pour l'edge guard. Et il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Glutonic a secoué la tête. Alors que Light se met tout nu. Ah, c'est parti. Vous savez ce que ça veut dire. Allez, le power up. Il a juste voulu faire nerf. Je jure qu'il voulait faire nerf en dépassant de la plateforme. Ça s'est transformé en jab, il a touché. La réussite, le jeu veut qu'il gagne. T'as bien raison, Side B, reviens au centre du terrain s'il te plaît. Nerf up smash, c'est fini. Light avance dans le bracket. Il a sauvé Smash Bros. Il a sauvé Smash Bros. Alors là c'est, là c'est parti. Les pas. Les dégâts. Il a mis 107% milliards de misère. 107%. Mutase, il a juste besoin d'un forwarder, il a juste besoin d'un backer, il arrive à rien trouver. MKLeo arrive à trouver la back throw. Game for MKLeo, ou alors est-ce que j'ai curse? J'ai totalement curse. Je viens de curse. C'est historique ce qui est en train de se passer. Respectueux, humble, va juste lui serrer la main. Il s'écroule, il est en grande finale du Genesis 9 en battant le meilleur joueur du monde. Ouais, Dante ici c'était la bonne idée. Depuis tout à l'heure ça fonctionnait, mais là ça fonctionne pas. Il est mort, aïe, aïe, c'était le moment. Qu'est-ce que tu fais? Ça a été sur une plateforme. Il est peut-être mort. Non, le mix-up. Le mix-up était exceptionnel. Il dribble. Tue-le, on s'en fout, Joker. S'il te plaît, tue-le. Oh là là, je suis au fond. Oui, MKLeo, c'est vraiment le meilleur joueur du monde, j'ai rien dit. Je ne sais rien, je suis nul. Je suis nul, MKLeo. Final, donc tu peux le faire, pas de F-Tilt. On insiste encore une fois, est-ce que ça c'est pour tuer? Non, on va jusqu'au bout du monde pour avoir cet edge guard. Il me tue avec Egan, ça c'est voilà. Non, il est toujours vivant, on réessaye. Ça va tuer. 170%, on le rappelle, mais c'est un backer qui finira par avoir raison de lui quand même. Mutase est toujours vivant. Et derrière, on va lui faire manger. Ouais. Bon, on s'est rendu. Bon, c'est immédiatement rendu et on a un reset en face. C'est le meilleur joueur du monde. Ah, il y a le dot. Hein. Regarde-moi ça. Ah non, Mutase qui craque au pire moment. Il va foutre le feu au bordel. Il va peut-être aller chercher encore une fois un titre du Genesis. C'est le fait, messieurs dames, le meilleur joueur du monde. Et bel et bien le meilleur joueur du monde. C'est son 12000e titre du Genesis. Leonardo MKLeo Lopez vient briser tous les rêves de Mutase qui a pourtant fait une run quasi parfaite. Mutase, quel adversaire, quelle grande finale, quel tournoi, quel jeu, quelle vie. Semoule sardine, ketchup avec du pain. Faut aller se faire. Non, je suis désolé. En vrai, une petite tartine, mon ref. Semoule sardine. Bah. La semoule, c'est neutre, mec. Non, ça. La semoule, c'est neutre. Tu vois ce que je veux dire?